Salut tout le monde, c'est Axel Éponge, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur GTA V pour vous montrer la première étape pour commencer GTA V Online. Donc vous avez zéro niveau, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien du tout, vous n'avez pas d'armes. Donc pour ça, pour avancer, il suffit d'appuyer sur Options et en ligne, Activité. Jouer activité créée par Rockstar et moi en l'occurrence je choisis toujours course casse-cou et ensuite je choisis ce que je veux et normalement ça met aléatoire. Je suis dans les courses Blazer Aqua Tour des îles. Bon, c'est un peu ça, c'est plutôt sympa, hein. J'aime bien cette course. Mais je vous conseille fortement de faire une dizaine de courses pour bien commencer d'autres étapes que je vais vous montrer dans le prochain vidéo. C'est vrai que les courses ça paye pas cher, mais ça vous aide énormément à monter votre niveau et même si vous êtes payé 10 000 dollars, 10 000 dollars c'est déjà pas mal parce que 10 000 dollars c'est déjà beaucoup pour commencer pour acheter des armes et tout ça. Bon, pour l'instant, je galère pas, on dirait. Au début, on était nombreux. Et, ah oui, on est trois. Bon, je suis premier. Pour commencer, je sais pas du tout, il y a combien de tours? Il y a deux tours. Ouais, il y a deux tours. Bon. Donc, j'assure. Faut pas que j'oublie d'appuyer à chaque fois pour passer des passages à la terre et à l'eau. Hop là, j'ai ralenti un petit peu parce que là j'ai pas suis parti. Wow, j'ai déconné. Hop, allez. Là vous avez intérêt d'avoir un joystick qui marche très bien hein, parce que sinon vous allez être pénalisé à chaque fois. Ah, c'est le dernier tour là. C'est assez rapide. Non, non, c'est pas le dernier tour. Je sais pas du tout. Parce que je suis pas encore passé par là. Pour l'instant, c'est avantageux pour moi. J'ai l'impression que je contrôle totalement cette course. Allez, passage sur terre. Hop. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. D'ailleurs, ce véhicule, il faut que je pense à l'acheter parce que tout le temps, je dis, il faut que je l'achète, mais j'oublie tout le temps. C'est sympa hein, pour rouler, enfin, pour aller dans l'eau et rouler sur terre en même temps. C'est vraiment très sympa. Et hop là, hop, j'ai failli oublier de mettre passage dans l'eau. Ça, il faut pas oublier, sinon ça avance pas. Hein. 2 minutes. 2 minutes 22. Ah, ils sont peut-être loin devant moi. Hop là. Passage à l'eau. Ah, c'est sympa. Franchement, j'aime cette course. J'adore cette course. Allez, 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 on lâche rien. Là, je commence un petit peu à lâcher les affaires, là. Hop. Faut pas que je m'endors, d'ailleurs. Même si je suis loin devant. C'est vrai que pour les gens qui n'ont pas encore l'habitude de faire des courses comme ça paraît très long. Mais à force, vous allez trouver que c'est amusant. Au début, c'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé pas ça très. On va dire, c'est ennuyant à force, mais avec le temps, je me suis. On va dire, je me suis habitué sur n'importe quelle course. Il faut juste être patient, il faut pas aller trop vite. Même là, vous avez vu que je suis pas très, très. On va dire, je suis pas très rapide. Il faut juste faire attention à quelques obstacles.
Toujours premier. Hop. Voilà, j'ai déraillé un petit peu. Pourtant, j'ai pas encore acheté ce véhicule, hein. J'ai pas encore modifié. Donc, du coup, bah, c'est peut-être l'expérience, hein. Mais le mec, il est tellement dégoûté qu'il a arrêté de continuer. Et après, je sais pas si c'est des bouts, hein. Après, peut-être il y a des bouts qui font semblant de jouer. Mais je pense pas que c'est des bouts, c'est plutôt des mecs qui soit ils ont des trucs à faire, soit ils sont derniers, ils ont pas envie de continuer. Là, cette fois-ci, je peux dire que je contrôle largement la course, mais je vois qu'il y en a un qui est derrière et il lâche pas l'affaire. Il trace, il trace. Il trace très très vite. Il faut pas que je fasse un faux pas. Parce que sinon, je vais devoir payer parce que là, c'est le dernier tour à faire. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, il est encore loin de la ligne d'arrivée, hein. Ah, il est parti l'autre. Ah, il y en a un qui regarde la partie, ouais. Oh, j'ai failli faire n'importe quoi là. Allez, accélération. Peut-être une dernière accélération. Ça fait 3 minutes quand même, hein, que je roule. Là, c'est toujours l'obstacle comme ça qu'il faut faire attention parce que des fois, on fait pas attention et du coup, en dernière minute, on perd la course parce que on fait pas attention forcément sur le côté. Bon, là, il n'y a pas vraiment de danger, hein. Je suis arrivé sur la ligne d'arrivée. Et victoire! Et ouais, la victoire, c'est cool, hein. Voilà, vous avez vu que je gagnais, grosso modo, 8 970. On peut déjà acheter une arme avec ça. Mais il faut continuer pour avoir un maximum. Voilà mes amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur like, de faire partager. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, d'appuyer sur la petite cloche bien sûr. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis. Ciao, ciao!